témoignage, mais vraiment de quelque chose que j'ai vécu avec Sainte Thérèse. Il y a à peu près, je dirais, une dizaine d'années, on m'avait proposé d'écrire une lettre à Sainte Thérèse qui a été envoyée dans une communauté. Et un an après, cette lettre nous revenait parce qu'on avait envoyé avec une enveloppe timbrée au retour. Donc j'ai fait cette lettre. J'avais à mon travail une musulmane à qui, je sais pas, on échangeait souvent sur la foi, sur et je lui avais parlé de la petite Thérèse. Et cette jeune femme voulait avoir un bébé. Et elle avait plus de 40 ans. Et elle m'a dit, bah, écoute, moi, puisque tu vas faire une lettre, moi aussi je vais faire une lettre et je vais demander à Sainte Thérèse un bébé. Et donc on fait chacune nos lettres, qu'on envoie, etc. Et puis elle est tombée enceinte. Et quelques mois après, on va renvoyer la lettre. Et moi, j'ai reçu la lettre en retour. Et quand je l'ai ouverte, moi je ne me rappelais plus vraiment de ce que j'avais demandé. C'était plus des choses pour progresser dans la vie spirituelle. Mais quand j'ai reçu la lettre, j'ai vu que point par point, tout ce que j'avais demandé, j'avais été comblée, exaucé et encore beaucoup plus que ce que j'avais osé demander. Et je voulais juste terminer en vous disant que Sainte Thérèse, elle avait dit qu'elle avait passé sur la terre et qu'elle avait obéi à Dieu en tout point et qu'elle passerait son ciel à faire du bien sur la terre. Et donc vraiment, il faut pas hésiter à lui demander, à se faire proche d'elle, à l'appeler, à lui confier des choses, surtout si on veut progresser dans la vie spirituelle, parce que elle agit et elle exauce. Et je voulais juste vous lire un tout petit passage qu'elle à la fin de son livre, qu'elle nous laisse et que je trouve vraiment merveilleux. Voilà ce qu'elle dit. Ô Jésus, que ne puis-je dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Que si par impossible, tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, c'est bon, je pense qu'il l'a trouvée là, entre autres il y a la mienne, tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Oui, je le sais, et je te conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Voilà, c'est sa prière pour nous. Elle prie pour nous tous les jours. Et Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc que personne ne se décourage. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous.